Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, dans notre chronique culturelle, nous allons traiter de l'antisémitisme et plus précisément de des traces de l'antisémitisme dans notre secteur, dans notre région, le Beaujolais. Il y a un dispositif renforcé qui, au niveau académique et au niveau national, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Peut-être avez-vous retenu que dimanche dernier, le maire de Lyon avait commémoré la fameuse rafle de la rue Sainte-Catherine. Et cette rafle de la rue Sainte-Catherine, qui a conduit quelque chose comme 85 personnes à Auschwitz, donc à la mort, a été l'objet d'un travail fait par des élèves, de, des élèves de, du collège de la Haute-Azergue. Et pour le travail qu'ils ont fait, la région les a récompensés parce qu'ils ont été particulièrement actifs et qu'ils ont su témoigner de cette époque, même s'ils ne l'avaient pas vécue. Euh, il y a quelques années, à Notre-Dame-de-Lourdes, enfin, les apprentis d'Auteuil, une classe a reçu un homme de 90 ans qui s'appelle qui s'appelle Benjamin Orenstein. Et Benjamin Orenstein avait l'âge des élèves auxquels il s'adressait. Et il a voulu, à son âge, porter le témoignage de ce qu'il avait vécu comme jeune juif en Ukraine. Et la vie que ce jeune garçon, à l'époque de 17 ans, était absolument effroyable. Sa vie était effroyable pour différentes raisons. Il a vu partir autour de lui les siens, il a vu évidemment les souffrances autour de lui, mais surtout ce qu'il a ajouté, c'est qu'il avait énormément souffert de la solitude. C'était un, une souffrance supplémentaire à laquelle, par exemple, moi, je n'avais pas pensé qu'il avait, qu avait, qu avait connu cela. Et ce qu'il a expliqué, donc seul, à survivre dans une famille de neuf enfants. Et il a expliqué qu'il n'avait pas un talent particulier, il a expliqué qu'il avait survécu grâce, dit-il, à la chance. Alors, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Ces mots pour sépulture, et tout le monde comprendra, matricule B 44016. C'était le matricule qui était tatoué sur son bras. Et vous voyez sans doute à l'image, au milieu des élèves de la classe de troisième, à qui il a montré ce témoignage. Et les élèves, les, ces adolescents, étaient particulièrement émus par ce qu'ils ont vu. Et puis il a terminé en citant Primo Levi Puisque ça a eu lieu, eh bien, ça peut recommencer. Et, mais il n'est pas question aujourd'hui de faire un cours d'histoire, évidemment, mais je vais quand même raconter, rappeler quelques-uns des faits qui ont, cours, qui ont marqué notre bassin de vie. Un des, éléments, des événements importants, c'est relatif aux Juifs, a eu lieu à Anse, à l'époque féodale. À l'époque féodale, il faut savoir que Anse était rattachée et administrée par l'archevêque de Lyon et c'est là à ans qu'avait lieu dans le prieuré saint-romain qu'avait lieu un certain nombre de conciles. on était loin de la ville et on avait une certaine sérénité pour discuter des choses. et dans ce, une des premières actions qui ont eu lieu, eh bien, c'est la volonté de de, de, de distinguer les juifs par un moyen. On a connu bien entendu après les étoiles juives mais à ce moment là ça n'était pas l'étoile. on a installé une, on, a ré, on a obligé les juifs à porter ce qui s'appelle une rouelle. Qu'est ce que c'est qu'une rouelle eh ben c'est une petite roue, c'est un anneau un anneau découpé dans du tissu jaune, et selon l'interprétation chrétienne, il, ce, cercle, ce cercle symboliserait les 30 deniers que Judas avait reçus après avoir trahi Jésus. D'autres disent que ça peut être aussi l'image de l'hostie que les Juifs euh, rejetaient. Bon, toujours est-il que cette rouelle, les gens la portaient sur la poitrine, à gauche. À gauche, en latin, c'est sinistra. Bon, ce n'est pas la peine de commenter. Et plus tard... On imposera le chapeau jaune pour les hommes. Pour les femmes, la rouelle était parfois remplacée par un voile, et effectivement un voile jaune. Et de toute façon, elle avait. Euh, pourquoi jaune et bien Parce que cette couleur-là avait au Moyen-Âge une connotation péjorative. Les couleurs ont deux significations, l'une valorisante, l'autre péjorative. Le jaune, c'était l'or. Mais c'était aussi le symbole de la trahison, de la fausseté, du mensonge et de la folie. Et donc le défaut du port de la rouelle, ou sans doute, est condamnait celui qui n'avait pas, qui s'était fait prendre, à des châtiments et évidemment des châtiments corporels. En 1306, sur le territoire même. De la couronne, Philippe le Bel a résolu le problème, eh bien en chassant les Juifs. Et là, on va quitter un petit peu le Beaujolais, mais pas, on va pas aller bien loin, puisqu'on va se rendre à Trévoux. À Trévoux, Treizou se trouvait alors dans le Dauphiné, c'est-à-dire dans le Saint Empire germanique, pas dans le Royaume de France. Et les Juifs se sont, ont pu aller à Trévoux, Ils ont continué à à vivre leur religion, euh, mais, mais comme ils ne pouvaient rien posséder, ils ont travaillé l'or et ils ont travaillé l'argent. Et une société de 500 personnes s'est regroupée à Trévoux, et là ils ont eu une vie tout ce qu'il y a de plus, on ne peut pas dire confortable, mais tout à fait acceptable. Mais les chrétiens ont ressenti une certaine forme de jalousie. Cette jalousie a généré un procès, et à la suite de ce, procès, de ce procès, les Juifs ont dû quitter Trévoux. Voilà. Si vous allez visiter, vous verrez, euh, on a encore des lieux qui sont des lieux marqués par cette époque-là. Et puis maintenant, eh bien, nous allons quitter Trévoux et nous allons laisser passer un petit peu le temps. Laisser passer un petit peu le temps. Nous allons parler des Caladois et notamment de certains Caladois qui, eux, ont fait des choses absolument admirables pour sauver les Juifs et notamment les enfants juifs lors de la dernière guerre. Il y a un, un homme qui s'appelle Henri Bastien et qui a été reconnu comme juste parmi les justes. Et cet Henri Bastien, à l'époque du nazisme et de la, de la persécution des Juifs, était un catholique convaincu et il a joué un rôle très important dans le catholicisme, catholicisme social. Il permettait notamment aux enfants pauvres de partir en colonie de vacances à Poul-les-Écharneaux. -et, et de ce fait, il a pu cacher des enfants juifs à cette époque. Et puis, aidé d'un autre, autre Caladois qui s'appelait André Romanet, il a aussi sauvé des dizaines d'enfants et des familles en confectionnant de vraies fausses cartes d'identité. Euh, je pense que là, on peut lire le livre de Daniel Rosetta sur 1000 euh, ans, je crois, de, de, de vie en Beaujolais. Et dans son livre, on retrouve aussi que sur le mur des, ju des Justes était gravé le nom d'autres Caladois et de personnes qui habitaient à Salles, une habitait à Tizy et une autre à Meaux-en-Montagne. Et puis je voulais finir en vous faisant écouter les dernières phrases, la dernière strophe de Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Jean Ferrat tout le monde le connaît. Jean Ferrat a écrit Nuit et brouillard, c'est le titre d'une de ses chansons, et c'est Nacht und Nebel en allemand. Et ça, c'était Nacht und Nebel, c'était le nom que les ennemis du Troisième Reich donnaient à ceux qui étaient destinés à périr sans laisser de traces autrement dit, il y avait des résistants, il y avait, euh, entre autres et évidemment, des juifs. et voilà le texte de jean, de jean ferrat, la dernière strophe vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants, vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. Le nom de Jean Ferrat, c'est Jean Tenenbaum. Voilà. Eh bien, merci.